Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée à la clé de la réussite numéro 32. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une notion importante si vous voulez réussir dans vos projets. Une notion qu'on nous rabâche souvent à longueur de temps, mais qu'on a banalisée. Et en fait, derrière cette notion, il y a beaucoup, beaucoup de sagesse et beaucoup de croyances aidantes. On nous dit souvent, lorsqu'on est dans un projet et qu'on rencontre quelques difficultés, notre entourage nous dit souvent, mais vas-y doucement, prends ton temps, vas-y petit à petit. Et quand on entend ces conseils-là, on se dit oui, mais j'ai tant de choses à faire que j'ai pas le temps d'y aller un petit à petit. Et en fait, si, il faut y aller petit à petit. Alors qu'est-ce que ça veut dire petit à petit? Ça veut dire pas à pas, centimètre après centimètre, action après action, tâche après tâche. Votre journée doit être remplie d'une multitude de petites actions. C'est un peu comme la métaphore du tas de sable ou de la montagne, hein, si vous voulez transporter un tas de sable d'un endroit à un autre, et bien c'est pelle après pelle, coup de pelle après coup de pelle. Si vous voulez planter tout un champ, et bien c'est vous devez semer graine après graine. Si vous voulez récolter des fruits dans un arbre, et bien c'est fruit après fruit, pomme après pomme. Cette notion là de petits pas, de petites actions, lorsqu'on est dans un projet et qu'on veut le réaliser, qu'on veut réussir, et qu'on a aussi la pression du temps, qu'on a la pression de tout ce qu'on a à faire, qu'on a la pression aussi qu'on se met à soi-même pour réussir. C'est important de se rattacher à cette notion-là, là, de centimètre après centimètre, de petit pas après petit pas, action après action. Et si votre journée est remplie de petites actions, d'une multitude de petites actions, eh bien votre journée est réussie. Voilà, parce que eh bien, même si vous voulez courir un marathon, eh bien c'est pas après pas. Et que ce soit un marathon ou un 5000 mètres ou un 100 mètres, eh bien, ça sera toujours pas après pas. Donc, voilà, cette clé de la réussite numéro 32, consacrée donc aux petits pas, aux petits centimètres, à toutes ces petites actions à faire chaque jour. Donc, je vous encourage à persévérer dans toutes ces petites actions que vous mettez en œuvre tous les jours, tout au long de la journée. Pas après pas, vous avancez et vous progressez avec le temps vers votre destination, vers la réussite de votre projet. C'était la clé de la réussite numéro 32. Alors, comment l'appeler? Pas après pas, petit pas après petit pas, centimètre après centimètre. Je pense que vous avez compris cette notion-là. Donc, je vous la rappelle, c'est important de se la rappeler. Petit pas après petit pas. Allez, je vous dis à bientôt pour la clé de la réussite suivante, donc la 33. Bye bye.